Seka pour le jeûne et la prière. Et en fait, c'est vrai que je n'ai pas pu jeûner par rapport à mon état. Je n'ai pas pu jeûner, mais j'ai suivi le programme de la prière du début jusqu'à la fin. Mon état ne m'a pas permis de jeûner, mais j'ai quand même suivi le programme de la prière jusqu'à la fin. Donc voici ma Bible. Et je remercie le Seigneur pour ce moment de prière. Vraiment, c'était un moment merveilleux, un moment agréable dans le Seigneur. Et je remercie Madame Seka aussi pour la joie et le bonheur et pour votre motivation et parce que vous nous avez dirigé pendant ce temps de jeûne et prière. Donc voici ma Bible. Je glorifie le Seigneur. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et que tout le monde soit béni et soyez béni aussi, Madame Seka. Je viens pour relever le challenge. Le challenge, témoignage et de partager sa Bible. Moi, ça fait plusieurs mois que j'écoute les messages de Madame Seka. Ce que j'aime dans ces messages, c'est que c'est très édifiant. Et ces jeunes, j'ai déjà partagé des jeunes avec elle. Et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Ça me fait vraiment beaucoup de bien, comme de nombreuses personnes qui font ces jeunes, qui ont témoigné. Je peux rester là des heures à témoigner comment ça me libère vraiment, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Mais je voulais vraiment faire ce challenge parce que ça m'a vraiment touché la Bible, parce que moi vraiment la Bible a changé vraiment ma vie. Pour moi c'est vraiment un miracle d'attraper une Bible, parce que avant d'être chrétienne, j'étais musulmane et pour moi la Bible c'était falsifié. Et le fait même de toucher une Bible, pour moi, ma part, je ne parle pas pour la part d'autres musulmans, mais pour moi, ma part à l'époque, toucher une Bible, c'était comme se salir, c'était comme j'avais peur d'avoir de malédiction en fait. En fait, j'avais vraiment peur de toucher une Bible. Pour moi, dès que j'entendais même dans ma tête le mot Bible ou Jésus-Christ, je disais, mais Astaghfirullah. J'avais des idées vraiment qui... C'était vraiment... Quand j'y pense, si ce n'est pas la grâce de Dieu, pour arriver à toucher une Bible, vraiment, c'est vraiment la grâce de Dieu. Et je comprends aujourd'hui pourquoi la Bible est vraiment... attaquée, on dit qu'elle est falsifiée. Dieu vraiment m'a montré par sa parole que la Bible n'est pas falsifiée. Et il y a beaucoup de nombreuses Bibles. On va trouver des mots différents, mais c'est toujours la même histoire. C'est l'histoire de Jésus, c'est l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de notre vie. C'est vraiment notre vie, c'est l'histoire de Dieu avec les hommes. C'est notre identité. C'est ce qui va nous libérer, c'est ce qui nous donne la vie, c'est ce qui nous restaure, c'est ce qui nous console. C'est la notice pour l'être humain. C'est notre notice pour comment marcher, comment être heureux, comment être en paix, comment être délivré, comment avoir une communion avec Dieu. C'est tout la Bible. C'est précieux. C'est vraiment... C'est le testament. Il y a deux testaments dans la Bible. C'est ce que Dieu a laissé pour l'humanité, pour la vie, pour nous. C'est la plus belle chose que Dieu nous a donnée, sa parole. Et soyez tous bénis. Au nom de Jésus-Christ, je vous salue. Amen.